Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Minecraft Legends, on est sur Xbox Series X. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé, ça fait presque 12 jours, 12 ou 13 jours je crois. Bon, des fois ça fait pas de mal de faire un petit break, et donc on va se découvrir sur Minecraft Legends tout de suite. J'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo le jour de la sortie puisque j'étais au boulot. Action, savoir, suivez-moi. Nous devons en être témoins ensemble. Clairvoyance? Vous avez peur, comme nous tous. Non, je suis simplement triste qu'on en soit arrivé là. On commence? Bien le bonjour. Nous ne voulions pas vous faire peur. Votre bravoure et votre créativité nous ont inspirés et nous vous demandons votre aide. Vous voyez, notre monde est attaqué. Il se fait dévorer. Et c'est un danger que vous seul pouvez prévenir. Le temps presse. Nous aiderez-vous? Merci. Maintenant, avancez, brave héros, et rejoignez-nous. Accrochez-vous bien, ça va prendre une petite seconde. Bienvenue. Je crains que nous ayons beaucoup à vous demander. Hop, on se reprend. Bon, du coup, on a... Comme d'habitude, enfin comme dans le précédent, Dungeon, si ça s'appelait, c'est ça, je sais même plus, oui c'est ça. Alors j'y ai joué, mais j'y ai joué après, c'est pour ça qu'à l'époque j'avais pas fait de vidéo sur le jeu, parce que, ouais, mais on va garder celui-là. Il y a pas mal de modes, ok. Il y a un mode versus, ah pour combattre d'autres joueurs, d'accord, bon bah on va... On va faire une nouvelle histoire, après on peut toujours jouer en coop, en ligne, comme on faisait dans le précédent. Bonjour. J'espère que vous vous sentez bien.
Ce genre de voyage me retourne toujours l'estomac. Merci d'avoir eu le courage de venir. Je m'appelle Clairvoyance. Je suis Action. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais juste... J'aurais aimé que nous nous rencontrions dans des circonstances différentes. Mais ce monde est attaqué, et nous avons besoin de votre aide. D'immondes créatures connues sous le nom de Piglins ont émergé de leur antre ardente et veulent conquérir cette terre paisible et toutes les créatures qui y vivent. Nous avons besoin de votre aide pour nous assurer que cela ne se produise pas. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons à vos côtés. Admirez. J'ai toujours voulu dire ça. Nous vous présentons... Utilisez ce luth et, avec la bonne mélodie, les allers rassembleront des ressources, les garderont pour vous. Et construiront ce dont vous avez besoin. Dans ce cas, brûlez les flammes de création. Les flammes appelleront des amis pour se battre à vos côtés. Ces golems nous ont aidés à créer la surface. Et maintenant, ils vont vous aider à la défendre. Et pour finir, voici la bannière du courage. Hissez là-haut et les habitants de ce monde vous viendront en aide. La faim des Piglins est insatiable. Ils ont déjà un pied à la surface. Et si on ne les arrête pas, ils dévoreront tout. Nous n'avons pas préparé les créatures de notre monde pour ce jour. Mais nous pensons que vous le pouvez. C'est pourquoi nous avons fait appel à vous. S'il reste un espoir, c'est vous. Bonjour. Cette fois, nous avons l'avantage. Si vous pouvez détruire les avant-postes de Piglins qui entourent le village... Nul ne sait ce que vous allez affronter à la surface maintenant que les Piglins sont là. Plus tôt vous maîtriserez ces outils, mieux ce sera. Allez, action vous attend. Et c'est parti. Bon, après, il n'y a pas de... Il n'y avait pas de doute là-dessus, mais c'est fluide, hein, évidemment. Hop, comme ça, ils vont me récolter le bois, d'accord. Ça, c'est des mécaniques qui n'existaient pas. Rejoignez Action et utilisez votre lutte pour récolter de la pierre. Beau travail! Vous avez maintenant les ressources dont vous avez besoin. C'est la première étape. Faut récolter de la pierre maintenant. Ah, donc ils ont ajouté cette notion de ressources et de construction qu'on n'avait pas dans le précédent. Bien joué. Les escaliers vont vous faire gagner beaucoup de temps. Alors je l'ai pas dit, mais le jeu est disponible sur les consoles Sony aussi. Évidemment. Et je me demande bien s'il n'est pas disponible sur Switch aussi. Hein. Maintenant, c'est le moment d'allumer ces flammes. Utilisez les mélodies de générateur pour appeler les golems que vous avez rencontrés plus tôt. Oh, excellent! Chaque générateur détient des flammes de création qui feront appel à vos alliés. Appelez-les. Appelez vos alliés. Ah ouais, c'est pas mal ça. Les golems ont peu d'expérience de combat, mais ils se rallieront derrière vous. Utilisez la bannière du courage pour m'envoyer vos amis. Voilà, comme ça ils vont me suivre. Ok. Hop, maintenant faut casser celle-là. Je parle pas beaucoup, hein, je suis concentré. Je vous laisse.
profiter un peu de la musique. Allez, j'aimerais bien qu'on aille Venez vite avec nous. Jouer. Nous allons vous emmener dans le monde. Qu'on aille jouer sérieusement maintenant. Merci encore pour votre courage. Nous sommes honorés de vous avoir comme alliés. Nous serons avec vous jusqu'à la fin. Allez, maintenant, on va pouvoir y aller. On va se découvrir ça tranquillement et puis on va arrêter, on va pas faire une trop grosse vidéo. Enfin, on reprend le style graphique Minecraft. Hein. Un peu plus lisse peut-être. Enfin, il y a peut-être un petit côté un peu plus cartoon. Les couleurs sont peut-être un peu plus pastel ou je sais pas, il y a un truc comme ça. Bienvenue dans notre monde. Nous serions ravis de vous présenter correctement, mais un village a besoin de vous. S'il vous plaît, allez les voir. Vous avez une boussole et une carte. Utilisez-les pour vous assurer que vous allez dans la bonne direction. Ouais. Alors ouais, c'est la différence aussi avec le Dungeons. C'est que là, on est sur un monde ouvert, quoi. Ce village est en paix pour le moment. Espérons qu'ils échappent aux yeux affamés des piglins. Ah ouais, le sprint après, ça rigole pas en fait. Donc on a plusieurs biomes, hein, comme dans le jeu de base, j'ai envie de vous dire. Ah ouais, c'est le blé là qui me fait courir vite. Voilà, donc là on change. Dépêchez-vous, les piglins sont acharnés. Ouais, bah j'y vais. Oh. Bon, ça pour l'instant. Je sais pas ce qu'on peut y faire, on va se dépêcher d'aller là-bas. Voilà le village! Allez-y, vite! Oh non! Bon allez les cochons! On va faire du barbecue bacon. Allez, on y va. Il faut arrêter ces petits monstres roses. Vite, vite! Il faut se débarrasser de tous les piglins. Allez, on y va. N'oubliez pas de construire des générateurs pour invoquer des alliés qui combattent à vos côtés. Ah ouais, mais je sais déjà plus comment on fait. C'est rigolo. Ouais. Allez. Ça va pour l'instant. Il y a plusieurs casernes dans cet avant-poste. Éliminez-les toutes ou les piglins n'abandonneront jamais. À venir me chercher.
Hop. Oh, bon, on va générer des golems. Allez, battez-vous. Et voilà. On a défoncé. Le danger immédiat est passé, mais le village est dévasté. Les piglins ont ruiné la fontaine. Une cabane de charpentier réparera les structures avoisinantes. Dites aux allées d'en construire une pour vous. Hop, on va encore faire ça. Et on va réparer les dégâts. C'est pas mal en vrai, cette idée de construire des choses et tout. Ouais, c'est quand même une belle évolution par rapport au jeu précédent. C'est-à-dire qu'ils sont pas restés sur la formule de dire on va refaire exactement pareil. Avec un autre scénario et d'autres niveaux. Non, non, ils ont vraiment fait évoluer le truc. Et puis après, on s'arrêtera là pour cette vidéo. Hein. Je ne vais pas trop vous en montrer. Surtout que là, en plus, bon, j'ai fait un petit break. Mais là, on va faire cette vidéo-là. Merde. Cette vidéo-là, puis après, on va avoir Dead Island 2. Celui-là, je vais vous le faire. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire une découverte, parce que je finis à 19h vendredi, le jour où il sort. Donc j'aurai peut-être pas le temps de vous faire ça le jour de la sortie. Merde, je suis con quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être avancer un petit peu dans le jeu, comme ça, on va éviter l'intro, tout ça là. Et je vous ferai une vidéo un petit peu après, une vidéo de gameplay, on se fera ça tranquillement. Un petit peu plus tard dans le jeu. Je pense que je vais plutôt faire ça. Mais en tout cas, ce Dead Island 2 aussi, je l'attendais pas mal. En fait, je l'attends depuis... Putain, je suis vraiment con. Hein. Depuis qu'il a été annoncé, c'est-à-dire 2013 ou 2014, je sais plus, il avait été annoncé. Et depuis, on l'attendait. Donc, voilà. J'espère que... Il va tourner correctement. Tout ce que je demande déjà, c'est que ça tourne correctement, parce que vu la galère que ça a été au développement, les changements d'équipe, les machins... Bon. On va pas demander des miracles non plus. On verra bien. Bon, en tout cas, là... Là, on voit que la carte est quand même assez grande, parce que mine de rien, c'est quand même assez long. De voyager entre les deux, je ferais peut-être des cuts sur le voyage, je sais pas. On va libérer ce village et puis on s'arrêtera là. Plus d'images dans le puits. Est-ce notre héros ? Un autre village, semble-t-il. Et plus de piglins. Vous utiliserez des flammes de... Devrions-nous les prévenir ? Même si cette vision meurtrit nos cœurs, nous devons avoir foi que notre héros les aidera. Vous pouvez encore les sauver! Dépêchez-vous! Vous devez mettre en place des défenses autour du village.
reste encore un peu de temps pour rassembler des ressources s'il vous en manque. Les piglins attaqueront par tous les côtés. Bon, je suis désolé, alors, depuis tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de... Sol pour voir d'où ils viennent. Il n'y a pas de son. J'avais oublié de rallumer le micro. Je suis un petit peu con, des fois. Et vous savez, j'ai un petit bouton pour couper le micro, et bah, j'avais oublié de le rallumer. Il est con, le gars, il est con. En fait, depuis tout à l'heure, je parle dans le vent. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, moi, je fonce dans le tas, on est fou. Vous vous en sortez très bien. Mais encore oui. Un peu plus longtemps et ce sera bon. D'autres piglins. Je m'en occupe avant qu'ils approchent, moi. Je fonce dans le tas. Ouais, j'avais complètement oublié de rappuyer sur le bouton. Du coup, vous avez eu un long moment où j'ai parlé, moi, de mon côté. Dépêchez-vous, les villageois ont besoin de votre aide dès maintenant. Là-bas. Mais ouais, j'avais complètement oublié. Quel idiot. L'attaque est terminée, mais il reste quelques piglins. Où ça? Ah oui, là-bas, il y a des flèches. Bon, ben voilà, on les a bien arrêtés. Vous avez réussi. Le village est sauvé. Nous savions que vous alliez y arriver. Les villageois sont ravis que vous ayez défendu leur fontaine. Ils ont mis des ressources supplémentaires dans le coffre en guise de remerciement spécial. Merci, les gars. Vous en sortez bien, mais les piglins n'abandonnent pas facilement. Même maintenant, ils préparent une attaque contre un autre de nos villages. Les lapis lâchés par les piglins peuvent être utilisés pour alimenter vos générateurs. Collectez le lapis pour alimenter vos feux. Bon, par contre, du coup, comme il y avait les autres en dessous, la cabane, elle est pas sur le sol, mais... C'est pas grave. On va faire comme si... Hop. On va réparer le village, hein. En même temps. Et puis on va... On va s'arrêter là, hein, je pense. Là, il y a un petit point d'interrogation. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ok, là, il y a un truc, ok. Et puis, je vous laisserai découvrir la suite et on se fera Dead Island 2 ce week-end, je pense. Et puis voilà, quoi. Je vais pas vous en montrer plus. Là, après, le jeu, pour ceux qui ont la Xbox ou le PC, il est disponible dans le Game Pass pour ceux qui ont le Game Pass. Pour les autres, bon, bah, il est disponible en boîte sur les consoles Sony, sur la Xbox aussi. Je pense sur Switch aussi, mais j'ai pas fait attention à ça, je vous avoue. C'est vrai que je regarde jamais, je regarde rarement s'il y a des versions Switch, alors que j'ai la Switch. Mais...
Parce que très souvent, j'ai pris la version Switch d'un jeu en me disant, bon, tant pis, je le prends sur Switch, il est moins cher, ou voilà, bah, c'était infâme. Faut quand même dire ce qui est, hein. Bon, là, je pense que ça marcherait correctement, mais... Faut quand même dire ce qui est, hein, très souvent, quand on a une version Switch d'un jeu. Elle est souvent infâme. J'en veux, bah, pour preuve, un des derniers jeux que j'ai acheté sur la Switch, là, c'est le jeu, vous savez, les Schtroumpfs Mission Malfeuille, que je cherchais à pas cher. Et j'avais hésité à le prendre un moment en promo sur la PS5, et puis après je l'ai vu sur Switch. Pourrait se produire à tout moment. Vous devez attaquer les nouveaux avant-postes Piglin. J'avais eu un bon, une sorte de bon d'achat sur Rakuten, du coup je l'ai eu pour pas cher. Mais elle est, cette version Switch, elle est horrible, c'est aliasé, là, on sent que la résolution est pas du tout au niveau. Mais en plus de ça, c'est pas fluide, c'est pas... En fait, il y a vraiment rien qui va. Il va falloir que Nintendo il fasse quelque chose, là, parce que ça devient compliqué. Donc je ne sais pas, je pense qu'il est sorti sur Switch aussi, ce Minecraft Legends. Après, à voir comment ça tourne. Ce qu'il faut, c'est que ce soit fluide. Surtout un jeu comme ça. Voilà. Après, j'ai pas trop de doutes, j'imagine que ce jeu-là, il va tourner correctement. Quand même. Mais écoutez, on va s'arrêter là-dessus, hein. Et puis on se retrouve dans quelques jours. Je vous remercie. Non, c'est bon, il n'y a pas de dégâts de chute. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous.